Après, maintenant, on met ici. Attends, il tourne. Non, là, j'ai tourné sur moi. Donc, je tourne sur les fleurs. Attends. Il y a déjà les gens. Là, il y a une personne. Voilà, les abeilles actuellement en direct, ok. Je parle à moi. Voilà. Je n'ai pas la caméra. Tu n'as pas la caméra, hein? Mais oui, tu as la caméra, voici ça. Donc c'est Oui. moi qui peux m'appeler alors. Non, tu m'as appelé, j'ai lancé. Ajout en cours. Voilà. C'est bon, je raccroche ici, non? Voilà. Non. Tu On met m'entends? d'abord la musique. Dansons d'abord, chantons d'abord, oui. Voilà, Le mets temps d'abord que. la musique, chante. Moi-même, je partage déjà aussi. Oui, le temps que. Là, maintenant, ils vont nous chercher, ils ne vont pas nous voir. Je mets la musique. Tu nous as encore mis en haut. Voilà. Faut bien danser la fortune. Je danse même les anciennes piches d'avant là. Le journal de 20h, hey, chez nous, de 19h30. Non, Voilà, Claire Chazal, Claire Chazal et Patrick Poivre d'abord. voilà. Ne tombe pas aussi. Claire Chazal et Patrick Poivre d'abord. Voilà. Hey, nous sommes déjà à la team des abeilles. Maman, le tout On a sort de ses souffert, on a souffert, on a souffrance. Beaucoup, même beaucoup souffrance. On a beaucoup souffrance. Et partagez le direct. On a beaucoup Partagez le souffrance. direct, envoyez les cœurs. Oh, Banamalaye. On a beaucoup souffrance. Partagez le direct. Installez-vous bien avec vos popcorn, ça cuit. Mais Avec sauce, la je et parle seulement quand il y a quelque chose. sans oublier la harpe. Les gens qui n'ont pas de harpe, allez à Relation Bar. Je sors seulement quand il y a quelque chose à dire. Je ne fais pas moi les directs. La J'avais personne dit qui que ne n'a pas quitte de pas la harpe détente. va chercher la harpe à Je Relation suis avec Bar. ma vraie petite sœur. Ma Pas les vraie gnoc petite sœur. gnoc gnoc, pas les tchavoum, pas les Voilà. mbrakata. Mettez les cartes. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Foup, fap, foup. Si vous n'êtes pas 500, mais de la fortune. Yes, maman. Si on n'est pas si ici, ils ne sont pas 500, on ne fait rien. Hein. On ne parle pas, Si nous on vous n'êtes danse pas seulement Maman Guéa. Si ce ne sont pas 500, on ne 500, parle pas. On danse Maman Guéa. si vous n'êtes pas 500, on ne parle pas. On va que danser, Maman Guéa. Hey, la fortune a eu 10 et 10. Hey, on dit que j'aime à Heineken. Si on partage trop, ils vont signaler le direct. Non, il faut qu'on partage, que même les aveugles voient, même les sourds entendent. C'est comme ça que ça doit se passer. Connaissez-vous, N'oubliez connaissez-vous. pas, n'oubliez pas d'envoyer les cœurs pour Mafo. Connectez-vous, ça a cuit. La Aujourd'hui, caméra de là. Dieu ne tombe jamais en panne. Aujourd'hui, En là. panne. Pardon, en panne. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là. On va faire ton On corps, dit mon que la corps. caméra, On la va faire. fortune. On dit que la caméra de Dieu ne tombe jamais en panne. Oh. À ça. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là. On va faire son corps, mon corps. On va faire Qui aura cru? Maman, on a souffrance. On a Quelqu'un souffrance dit que depuis 13 heures. les deux là ont le mot de passe.
On a prêté seulement. On a prêté pour aujourd'hui. Après, on va nous enlever, pardon. Mmh. Ne soyez pas méchants avec nous, là. Ne soyez pas méchants, pardon. Pitiation pour nous. Pitiation pour nous. Parce qu'aujourd'hui, là, on a trop souffrance. On a trop souffrance. Jusqu'on est parti chercher Maf, jusqu'à loin où Maf était en train de manger son poisson brisé. On a trop souffrance aujourd'hui. Hey! On a souffrance. Oh. Dès qu'on finit aujourd'hui, là, on ne parle plus. On quitte même la page ici. On quitte. Et on vous envoie plein de cœurs. Plein de cœurs. On vous envoie plein de cœurs. Aujourd'hui. Si tu me dis d'arrêter la musique, j'arrête. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est Madame U. C'est Madame U. Œil de cobra. Bouche de cheval. Maman, enfin. Bouche de cheval passe enfin. Oh, bouche de cheval passe enfin chez les abeilles. Oh, bouche de cheval. Bouche de cheval passe enfin chez les abeilles. Qui aurait cru? Hey, Nadège, tu sais quoi? On dit souvent que les rêves se réalisent. Parfois, il y a depuis très longtemps, Mafo avait annoncé un jour que je devais passer sur son direct. Un jour, depuis, tu te rappelles, l'année dernière. Oui, on t'a supplié. On m'a supplié. On m'a dit que non, ne passe jamais chez Mafo. Si tu passes chez Mafo, là-bas, là, ne passe jamais. J'ai dit que oui, c'est bon. Plus ça, il y a un gros bisou là-bas. Appelez même les ennemis. Aujourd'hui, là, pardon, les abeilles, acceptez même les ennemis sur votre direct aujourd'hui. Laure Samuel, bonjour, bonsoir. Ah, mettez les cœurs, les têtes de mort, là, c'est vous qui allez mourir aujourd'hui. Bande de jaloux. Non, ce sont... Les usurpateurs d'identité. Maintenant, bon, la forme. Yes, attends, hein, je donne le mot d'ordre. Alors, bonjour à tous. Je suis Nadège Bapa, celle qu'on ne présente plus. Voilà, Tata Nadège de Flore de Lille et de sa team. Aujourd'hui, je vous amène une nouvelle invitée qui s'appelle La Fortune Ndongo. Attends, je continue mon nom parce que mon nom est trop long. Moi-même, je présente mon nom. Bon, la présente, Fortune Ndongo. La parole. La Fortune Ndongo. Dis, bouche de cheval. Dis, Madame U. Dis, œil de cobra. Dis, chieuse devant l'église de son pasteur. Voilà mon nom aujourd'hui. Voilà, d'accord. J'ai beaucoup de noms. Comme vous le voyez bien, elle s'est présentée avec tous les sobriquets et les noms, les ditons, comme on dit souvent. Bon, aujourd'hui, elle va nous parler de leur société. Où elle était manager de la vente d'une Janssen, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Mm-hmm. Elle va encore nous parler de comment qu'est-ce qui s'est passé ici chez moi avec le Janssen, avec les gens de. Elle va encore nous parler de la personne qui a le. Comment ça s'appelle? Le faux profil Anangrenga. Anangrenga. Et elle va nous parler de beaucoup de choses. Mais je vais citer quoi et laisser quoi. Donc, à toi l'antenne, la Fortune Ndongo, ma petite sœur d'amour. Je t'adore. Bisous là-bas. À toi l'antenne. Bisous. Je reçois le bisou. Mm-hmm. Voilà. Donc, envoyez les cœurs. Attends. Hein. Non, continue d'abord à parler. Finis d'abord un peu ma cigarette. Elle va nous faire la parodie. Continue d'abord à parler. Parodie aussi. Apparemment, j'aurais appris que ça fait depuis le 15 décembre, je ne suis plus avec mon amoureux Antoine Bachot. Ce qui me fait un peu, c'est un peu dommage. Tu ne peux pas ne pas être avec quelqu'un. Et sa photo est dans ta maison. Et on a dit que c'est la fortune qui a dit que tu n'es plus avec
Tonton Bacho. Voilà, il est là. Mon sucre. Il est là. Il y a deux hommes dans cette maison. Les voilà, les deux hommes, capture d'écran. Voilà, comment tu n'es pas avec un homme? On a fait le direct la dernière fois. Tu n'es pas avec un homme et ses photos sont chez toi. C'est, ça veut dire que le goût de ça. Mais fini de fumer, ils t'attendent aussi. On est déjà à 400. Attends, pour une fois, je dois un peu me faire désirer. Pour une fois, je dois me faire désirer aussi. C'est pas le toc-toc la porte, c'est la dot. Attends, il finit, vite, cigarette a fini aussi. Jette. J'ai déjà jeté. Comment tu sais que j'ai jeté? Mais même le corps a besoin du repos, non? C'est quoi? On travaille même bon. Le week-end, Samantha. Attends, il boit un peu l'eau. Moi, je vous dis, j'ai dit écrit. On ne travaille pas le week-end. J'ai déjà bu l'eau. Le corps se repose. Je suis bon. En CD. T'attends, non, tais-toi aussi, voilà, pardon. À toi la parole, la fortune. Bonsoir à tout le monde. Réponse. Ce soir, c'est réponse. On va répondre aux gens qui se cachent derrière les faux profils là, dans les noirs là-bas pour insulter les gens. Aujourd'hui, c'est réponse. Parce que quand vous vous mettez dans les noirs là-bas, vous vous mettez dans les noirs pour insulter la fortune, pour insulter Nadel, pour insulter Bacho, pour insulter tout le monde. Comme nous, on a mal fait de venir dans votre team de sorcellerie là. Vous allez venir ramasser les cacas que vous venez chier devant l'église de mon pasteur. Parce que vos bouches là, ça sent les cacas que vous venez vous-même chier la diarrhée. En passant, moi-même la fortune bouche de cheval, je chie la diarrhée sur vous. Je chie la grosse diarrhée sur vous. Donc je vais répondre qui s'assoit dans les faux profils là, dans les noirs. La fille qui était partie mettre ses pieds devant Gospit. Gospit gratte son pied avec avec le cou. Dit qu'elle est esthéticienne. Je ne connais pas l'école des. Et moi, j'ai. Dans sa cuisine. Son laboratoire s'est trouvé dans sa cuisine. Elle fait le mixage dans les mixeurs. Dans la cuisine. Gospit Maléba, je t'appelle aujourd'hui. Je t'appelle. Où est Longo? Pourquoi ça se coupe chez toi? Ça se coupe chez toi. Tu ne m'entends plus. Oui, ça se coupe. C'est comme. C'est parce que tu es dehors. Je pense que tu as du vent. Là, tu m'entends bien. Je t'entends bien, la fois. Voilà, j'ai dit donc réponse. Aujourd'hui, là, j'ai dit que réponse. Gospit, tu vas venir là-bas, réponse. Gospit, tu viens t'asseoir là-bas. Ne t'assois plus devant relation bas. Ne reste plus devant relation bas. Viens répondre. Où est passé Malice Simple? Mais comme tu ne connais pas répondre, moi, je vais répondre à ta place. Je vais dire où est passé Manu Simple. Manu Simple, vous qui ne la connaissez pas, je vous dis d'abord que c'est une femme qui a aimé Gospit comme tout le monde l'a aimé sous la toit. Elle a aimé Gospit sur Facebook. Longo, Menkerwene, tu vas répondre. Tu vas venir répondre. Donc, la fille qu'on appelle Manu Simple là, elle a participé à la création de l'auto-entreprise d'Engospit. Elle a fait toute la paperasse administrative. C'est-à-dire que la fille s'est levée des Caraïbes. Pour venir, elle a pris son temps. Elle a pris tout son temps. Elle est venue. Elle a demandé à Engospit que tu veux faire quoi dans ta vie, ma sœur? Tu veux faire quoi? Moi, Mani Simple. J'ai l'argent, je te dis, je vais te faire ce que tu veux. Comme Gospit avait vu que Fleur de Lis a lancé sa marque de produits. Elle a dit qu'elle veut faire esthéticienne, qu'elle veut vendre des jansans. Parce que la fortune a dit qu'elle ne vend plus de jansans là. Donc du coup,
Mani simple, on était dans le groupe. On était dans un groupe là-bas, on appelait ça que VIP. Dans ce groupe-là, Manu Simple a dit que, comme elle a les terrains au Cameroun, elle a plein de terrains là-bas. Elle a dit, Ngo Speed, je te donne un terrain. Tu travailles, c'est-à-dire que tu vas travailler dans le terrain-là. Tu vas travailler dans le terrain-là pour faire les cultivations. Tu vas faire les champs. Moi-même, je peux apporter les gens pour faire les champs si tu ne peux pas aller au champ. Pour cultiver les maniocs, les ananas, les feuilles de manioc, pour cultiver les ignames que vous allez aller donner aux orphelins. Mais Ngo Speed, à ce moment-là, à ce moment-là, Ngo Speed a vu que non, le chemin là pour faire les cultivations, pour faire les champs, c'est trop long. Ngo Speed a dit qu'elle ne veut pas aller travailler les champs parce que Facebook, c'est son gagne-pain. Il faut qu'elle vienne s'asseoir pour demander les litiges. Donc la femme a dit que bon, on va ouvrir l'entreprise pour toi. C'est comme ça qu'elle s'est concertée avec les autres femmes qui étaient dans le groupe VIP là. Venise Mamba. La fortune. Oui. Bon, tu sais, on a déjà de... Ne donnons pas les points aux personnes sans classe, mais parle normalement. D'accord. Tout bien. Ok. Donc. Voilà. Maintenant, je vous présente la vraie fortune. C'était juste pour dire que moi, on ne me menace pas. La fille qui parle dans le noir, là. Si tu es une femme, que tu t'assois et que tu dis que tu pisses comme moi, tu t'accoupis pour faire pipi comme moi, là. Montre ton vilain visage comme moi-même. Je suis laide ici. Tu te montres. C'était pour te dire que ce que tu fais. Moi, je ne connais même pas son nom. Je ne connais pas prononcer ça. Donc, c'était pour lui dire que... Elle s'appelle Solange. D'accord. Si ça te dépasse, moi aussi, je me sens. Voilà. Donc, du coup, Manu Simple, elle s'est concertée avec les autres femmes du groupe VIP pour créer la société, la micro-entreprise. C'est une micro-entreprise. Pour créer une micro-entreprise en Gosput. Donc, elle s'est occupée de la partie administrative et tout. En fait, c'est elle qui a tout fait. Mais les étiquettes qu'on a collées sur les bouteilles, c'est Venus qui a payé ça de sa poche avant qu'elle ne soit aussi remerciée. Elle a payé ça de sa poche et il y a une tata aussi. En fait, toute cette femme-là, elles se sont cotisées pour faire quelque chose à Gosput. Maintenant, quand moi je suis venue parler ici, parce qu'on m'a remercié un genre comme Gosput sait le faire, Manu Simple, je n'ai pas pitié de toi. Parce que quand je venais me plaindre, Manu Simple, tu t'es mis en faux profil pour m'insulter. Donc, comme on t'a mis le petit, on a cassé le Doliprane, le suppositoire du Doliprane, on l'a cassé son milieu, on t'a mis ça là. Tu pleures partout maintenant que voilà comment Gosput t'a remercié. C'est vrai, tu as tout fait. J'étais témoin. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. J'étais témoin. Ngo Speed a remercié la femme qui a ouvert la micro-entreprise pour elle. Et cette femme-là avait amené Ngo Speed chez les prêtres là-bas au monastère que va un peu te reposer 3 jours de prière et tout. Les prêtres là ont appelé la femme ici pour lui dire que c'est quelle qualité de phénomène que tu nous as apporté ici au monastère, que une femme au lieu de s'asseoir pour prier, elle se met à faire les directs. Parce qu'on l'avait chopé en train de faire les directs. Que tu t'assois pour faire... Une femme, elle vient s'asseoir. Au lieu de prier, elle s'assoit, elle fait les directs. La dame a eu les problèmes avec les prêtres. Comme ça ne suffisait pas, comme gospitée comme elle est, elle est venue par derrière pour dire que la femme la sort déjà avec les prêtres qui sont au monastère. Et c'est cette même Manu Simple-là. Quand les gens ont écrit sur Facebook que... Le show
d'un gospute était en prison là. C'est cette même femme là qui a donné l'info parce qu'elle était encore en contact avec Ngospute. La femme l'a donné l'info que le show de Ngospute est gardé en cellule au Cameroun là-bas. Par rapport à une histoire, par rapport à une histoire de carte bleue. Les voleurs. Voilà. Maintenant, ils vont s'asseoir pour... Ils ont usurpé l'identité du faux profil Marlène Eda pour faire croire que Marlène Eda est sur Facebook. Mais Marlène Eda n'est jamais sur Facebook. Arrêtez d'usurper l'identité des gens. Marlène Eda n'est pas là. Je parle avec la vraie Marlène Eda tous les jours que Dieu fait. Elle n'est jamais là. Elle ne vous gère plus. Donc, cette femme Manu Simple là, elle l'a tout fait toute la nuit. Le jour où Ngospute devait venir présenter sa société, soi-disant, cette femme a quitté son mari, elle a quitté son foyer, elle a laissé ses enfants, elle est venue à Rouen, elle a dormi, elle a travaillé toute la nuit. Tout ce que vous avez vu dans la maison le jour-là, et les peignoirs, et les meubles même, tout, c'est Manu Simple qui a tout payé de sa poche. Elle a tout payé de sa poche. Ngospute et son show n'ont rien dépensé, rien du tout. Et c'est cette même Manu Simple-là qui a créé la page pour la publicité du Njansan. Cette page qui est Bio c'est Canaël. Et Angelina propose bouche penchée. Elle a modifié parce que Manu Simple leur avait donné accès à cette page-là. Donc, comme on l'a chassée, Angelina Provost a tout bloqué. Donc, Manu Simple n'a même plus accès à sa propre page parce qu'ils ont tout changé. La première page d'abord, quand Ngospute est venu s'asseoir là pour dire qu'on a signalé sa première page et tout, ce n'était jamais un signalement parce que la première page a été créée par Venus. Et quand Venus est parti, Venus a fermé cette page-là. C'est pour ça qu'elle a dit que oh, on a signalé ma page. Ce n'était jamais signalé. Mais Manu Simple, comme elle ne pouvait plus fermer la page Bio c'est Canaël là, c'est pour ça que ça existe encore. C'est pour ça que cette page existe encore jusqu'à aujourd'hui. Mais Manu Simple, elle a tout fait pour Ngospute. Hé, Ngospute. Oh, Ngospute, honte à toi. Tu vas. C'est comme ça que tu remercies les gens. Pardon? C'est qui la prochaine victime? Ah, moi, je ne sais pas. C'est entre eux là-bas. Quand je venais me plaindre ici, j'avais dit à Manu Simple que... J'avais écrit, j'avais dit sur mon direct un jour, Manu Simple, ton jour viendra. Parce que comme toi, tu crois que tu es trop richissime là. Tu crois qu'un gospita a le cœur. Elle n'a jamais de cœur. Elle va venir s'asseoir là pour bien te remercier. Ça, est-ce que ça a duré? Manu Simple a pris les habits, plein d'habits. Elle a donné en Ngospute l'année dernière au Cameroun. Manu Simple est parti au Cameroun. Ngospute n'a même pas eu la...